J'ai fait des études de commerce où j'ai travaillé. À bientôt 18 ans, Alexia aimerait bien décrocher un emploi saisonnier. Ce matin, elle est venue passer un entretien au parc d'attractions Papea. Tous les domaines me conviennent, mais au niveau des manèges, oui, c'est ce qui me plairait le plus. Vous êtes disponible quand ? Le parc n'ouvre que le 1er avril, mais les recrutements ont déjà commencé. Une centaine de postes sont à pourvoir. On cherche des opérateurs de manège, des opérateurs de restauration également, des personnes qui peuvent tenir la caisse, à la boutique, à l'accueil et puis également en partie confiserie. L'année dernière, 195 000 personnes ont fréquenté cet établissement de loisirs. La direction aimerait bien poursuivre cette progression cette année et atteindre les 200 000 visiteurs. Pour cela, elle mise sur deux nouveautés. Le retour de pédalo sur le lac et l'installation d'un chapiteau sur cet emplacement, encore en chantier. C'est une très forte demande qu'on a eue l'année dernière, c'est de mettre un spectacle. Donc on a répondu à cette demande, donc c'est un chapiteau de 500-600 places assises où il va y avoir 6 artistes, donc comédiens, jongleurs, trapézistes, humoristes. Coût de l'investissement, 200 000 euros. Grâce à ces nouveautés, les responsables envisagent de toucher une clientèle plus éloignée. Pour le moment, la moitié du public de Papea vient de la Sarthe. La direction espère attirer plus de visiteurs des autres départements, notamment d'Ille-et-Vilaine.